Allez, on est parti donc pour 5 tours sur ce circuit de Sonoma aux États-Unis. Donc un mode que je rappelle est disponible gratuitement sur le site que je vous mets dans la description. Comme d'habitude, gratuit. Donc j'ai dû augmenter l'IA parce qu'elle est à 95 de base. Et honnêtement, il y a des endroits où ça roule pas du tout. Donc je préfère... augmenter un peu quitte à être à la ramasse, mais éviter les accidents. Alors plus à gauche il me fait peur. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas ce circuit, comme vous pouvez le constater, très très vallonné, mais alors dénivelé à ne plus savoir quoi en faire. Si on essaie de passer à fond, c'était limite. C'est un peu du Laguna Seca, mais en pire. Ouah, vas-y, pousse-moi devant. Ah, ils sont toujours aussi lents ici. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont limite cheatés dans la ligne droite. Et qui se traîne à certains endroits, notamment ici. Ah, ici, ils ont du mal également, d'après ce que j'ai vu. Allez, dixième à la fin du premier tour, il y en a 5, je rappelle. Alors, ça, forcément, de la niveler. Forcément, en VR, il n'y a rien de comparable. On va avoir un. Widescreen ou un triple écran 72 pouces, ça va jamais retranscrire le dénivelé par rapport à la VR, ça c'est une certitude. Ouh, j'ai failli me sortir. On va peut-être dû prendre la terre. À l'extérieur, ça va passer. Rappel, ça va être lié à 108. Mais on va se faire l'inter ici. Voilà. Bon, heureusement que j'ai mis les dégâts au minimum. Parce que là, ici, c'était la fin de la course. Pour vous dire, pour vous faire la présentation du circuit, j'avais pas envie de faire 50 000 prises. Allez, il va nous rester deux tours, on va essayer de s'en faire un ou deux au freinage ici. Bon, le but maintenant des vidéos, c'est de plus s'emmerder, hein. Plus de vignettes, plus de... Je postais un moment sur Facebook. La qualité est vraiment merdique. Ouf, ici. Je me suis dit, allez, ça t'emmerde pas, tu fais plus de qualité, parce que de toute façon, c'est pas, entre guillemets, récompensé par YouTube. Donc si tu veux toujours continuer à faire des vidéos, eh ben, fais du contenu. Alors que là, ça va être chaud pour faire du contenu. Mais juste ce qui te plaît, quand tu veux, sans rien attendre. Et surtout, t'emmerde plus avec tout le descriptif que personne ne lit, avec des vignettes que personne ne regarde. De toute façon, pour que ça marche maintenant, il faut mettre sa tête de,
tête de con sur la vignette. Moi je ne rentre pas dans les critères YouTube. J'ai jamais fait comme tout le monde, c'est pas maintenant que je vais commencer. On est 7ème du coup, on ne sera pas sur le podium et on va arriver en fin de journée, ça va être compliqué. Dommage hein, qu'il ralentisse ici de façon un petit peu exagérée. Allez, dernier tour. Ouais, peut-être je peux encore prendre celui-ci juste devant. Ici. Ah, il va me prendre Yann Mirexel. Oh, le fake. Bon, voilà. Bref. Voilà, je voulais au moins vous montrer. J'ai peut-être coupé la trajectoire un petit peu trop tôt. Donc, encore une fois, la performance, elle n'est pas là. C'était pas le but de cette petite vidéo. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce circuit. Très, très, très intéressant, honnêtement. Qui va peut-être pas convenir à toutes les catégories. Mais voilà, ça vous permet au moins de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, je vous laisse là-dessus. Et à une prochaine bonne journée. Tchuss.